بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne rigueur, bonne capacité à entendre le bien, bonne capacité à repérer le bien, bonne capacité à suivre le bien. Bon, ce que tu veux, mon frère, ma soeur, musulman et non musulman, partout dans le monde, qu'Allah nous accorde et vous accorde la guidée, c'est délicieux, une soeur me dit. Salam alaikum, Oustad. Je voulais vous poser une question concernant le voile de la femme en islam. Depuis environ 2-3 semaines, j'ai fait le choix de ne plus porter le jilbab. Je porte à la place une robe ample par-dessus laquelle j'ajoute un poncho, puis un voile qui recouvre la poitrine. J'ai opéré ce changement pour plusieurs raisons, parmi lesquelles espérer obtenir la satisfaction de mes parents, puis celle d'Allah, innocemment et l'ami, j'espère obtenir la satisfaction de mes parents, puis celle d'Allah, qui avait beaucoup de difficultés à accepter le jilbab. J'ai participé à un regroupement entre sœurs, cet après-midi, où l'on a critiqué le fait d'avoir délaissé le jilbab, me rapportant qu'il n'y avait pas d'autre voile légiféré. Je précise qu'elle n'avait même pas remarqué le changement à mon arrivée. Je ne suis pas de cet avis, dans la mesure où la tenue de la femme voilée répond aux conditions. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Barakallahu fik, qu'Allah vous couvre de sa miséricorde ainsi que ceux que vous aimez. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahi ya ikhwan ya akhawat, mes frères et sœurs, nos frères musulmans et nos sœurs musulmanes aujourd'hui sont dans un délire. Subhanallah, Allah subhanallah. L'habit de la femme et de l'homme musulman. On commence par l'habit de la femme musulmane. Depuis l'aube de l'islam, il n'y a pas eu, et tout au long des 1400 ans, il n'y a pas eu. Tu veux l'entendre, entends-le, tu ne veux pas l'entendre, je ne peux rien faire pour toi. Il n'y a pas d'avis légiféré. Parce que quand j'entends celle-là, là, dès que vous entendez celle-là, sachez qu'il y a, il y a 95%, il y a des madhalistes derrière. Même le mot légiféré là, en français, celui-là, là, dans leur site, il est partout. Il est partout, ce mot-là, il est vraiment très partout. Tu peux repérer quelqu'un de quelques petites choses, de rien du tout, malheureusement. Normalement, les sahabes étaient infinis dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre. Chaque sahabi, subhanallah, avait des choses en lui extraordinaires. Et tout ça formé la plus belle communauté qui a existé sur Terre, c'est la communauté des Sahaba. Aujourd'hui, on veut mettre tout le monde dans un moule, d'accord? Et on met derrière des mots qu'on ne comprend même pas. Légiféré, entendu, légiféré, ça sonne fort, ça. Je pense que c'est la première fois que je l'emploie de toute ma vie. Ce plus longtemps que je vois, mais ce mot que je vois, j'ai une sensibilité, je suis allergique contre ça. Parce qu'il est matraliste,
Dans beaucoup de cas, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais dans beaucoup de cas, il est matérialiste ou matérialiste. C'est pas eux qui l'ont inventé. Mais ils aiment bien ce mot, subhanallah. Il n'y a pas d'avis, finalement. Il n'y a pas d'avis. Claire n'était précis. Ma mère, ma tante, ma grand-mère, mes tantes, les femmes que j'ai connues dans ma vie, les femmes avec qui j'ai grandi, chez qui j'ai grandi, ont toutes porté la malhfa. On appelle ça la malhfa. Malhfa sahraouia. Malhfa mauritanienne. La malhfa mauritanienne. La malhfa sahraouia. La malhfa de beaucoup de pays d'Afrique. La malhfa. En Algérie, il y a le haïk. Ils ont le haïk. Au Maroc, une sorte de jellabiya, pas ce jilbab là, jilbab noir, jilbab, c'est pas ce, une jellabiya d'une pudeur pure et dure, la malfa d'une pudeur pure et dure, la jellabiya d'une pudeur pure et dure, le haïk d'une pudeur pure et dure, subhanallah, et tous les habits de chaque pays a sa spécificité. Je donne un exemple simple, comme ça tu vas comprendre. Au Sahara, nous avions pour les hommes une manière de s'habiller. Dans les années 90, la race des matérialistes est arrivée chez nous. Leur homme s'habillait d'une manière, ils pensaient que cette manière de s'habiller était la porte du paradis. Et eux, ils étaient la clé. Et ils pensaient que la manière de s'habiller de leur femme, qu'ils ont importée du berceau du matérialisme, était l'autre porte du paradis. Et que leur femme avait aussi la clé du paradis. Pour que tu comprennes l'exemple, avec cette manière de s'habiller et avec cette manière étroite, cette étroitesse d'esprit et ce manque flagrant d'intelligence de la darwa, ils se sont attirés les foudres de leur propre famille et ils ont créé des fitnas sans limite chez des gens qui avaient une foi de la fitra et qui avaient une pudeur naturelle. Naturel, avec leur malfa, ils avaient la pudeur pure. En général, on voyait comme ça, on voyait que leurs yeux. En général. Et si on voyait plus, on voyait que le visage des femmes. Et les hommes, en général, ils étaient habillés en darra'iyya, darra'iyya, d'une pudeur aussi très très élevée. D'accord? Donc, ici en France, toujours l'orf, tu vas voir l'orf. Tu vas essayer de voir un peu, un minimum de code. Un minimum pour ne pas trop aussi offenser ceux chez qui tu habites, même si c'est ton pays. Donc il y a des choix à faire. Pourquoi tu pars choisir un avis qui fait très 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 peur? Même aux musulmans et aux musulmanes d'aujourd'hui, alors que tu as une infinité d'habits que tu peux mettre, et que si ils respectent les conditions, les trois ou quatre conditions, pas de problème. Pourquoi tu pars chercher? Et si, combien même, tu vois, j'ai employé combien même, oh là là, le niveau, ma charge, le bédouin là, combien même. Tu décides, toi, de t'appliquer ça sur toi. Pourquoi tu veux appliquer ça sur les autres? Pourquoi tu ne vois le monde que par ton prisme à toi? Bon, tu dis, ok, je conseille cette manière de s'habiller, je pense qu'elle est mieux, elle est mieux, elle est ci, elle est ça. Tu peux dire. Mais on sait avec quelle manière nos frères et nos sœurs font. En disant, c'est la seule légitimité, tu le tiens d'où? Ça vient d'où dans le Coran et dans la Sunna?
Je ne parle même pas du niqab ou du hijab, attention. Et là, il y a divergence totale. Je parle même pas de ça. Je parle de la manière de s'habiller. C'est-à-dire, je mets un pantalon, je suis une femme, je mets un pantalon et je mets une robe, d'accord? Et je mets mon hijab sur la tête ou je mets une malhfa en France, par exemple. Je passe tranquille, je n'attire l'attention de personne, parce qu'en plus, le hijab ne doit pas trop attirer l'attention, ne doit pas t'attirer les poux des gens. Ne doit pas passer incognito, il vaut mieux. Vivons cachés, non? Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Soyons fiers, alhamdoulilah, et portons bien notre religion. Mais n'attirons pas aussi les foudres. Et foudre ou pas, je dis franchement, moi, je sors avec ma manière de s'habiller. Et depuis très longtemps, je suis en camis, alhamdoulilah. Depuis très longtemps. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai parcouru toute la France avec mon camis. Je suis parti en Belgique avec mon camis. Je suis parti aux Pays-Bas, toujours avec mon camis. Donc moi, j'ai ma manière de s'habiller. Tranquille. Tranquille de chez tranquille. Un autre a une autre manière de s'habiller. À partir du moment où il est dans la pudeur, alhamdoulilah. S'il n'est pas dans la pudeur, je ne vais pas venir lui dire ma manière de s'habiller, c'est elle qui a été légiférée. Légiférée. Oui. Ce n'est pas comme ça. Ça n'ira pas loin. En plus, nous sommes dans un contexte. Soit tu le comprends, soit tu vivras malheureux et tu seras une armée ou une arme de destruction massive de beaucoup de choses dans le contexte actuel. La jeune femme est une reconvertie. Déjà, alhamdoulillah, que ses parents ont accepté sa reconversion. Alhamdoulillah, que ses parents n'ont pas perdu la tête. Alhamdoulillah, que ses parents ne se sont pas suicidés. Alhamdoulillah, que ses parents n'ont pas eu une crise cardiaque. Alhamdoulillah, que ses parents n'ont pas eu une hémorragie interne. Alhamdoulillah, qu'ils n'ont pas fini dans un hôpital psychiatrique. Leur fille musulmane. Avec tout ce qu'ils voient dans les médias, avec tout ce que les musulmans font, malheureusement, dans le monde, et non, ils ont une part de responsabilité. Non, je dois te le dire. Et je ne suis pas là pour te faire plaisir. Ou pour que tu m'aimes. Ou pour que tu applaudisses ce que je raconte. أوصاني يا خليلي أن أقول الحق ولو كان مرا، أوصاني خليلي أن لا أخاف في الحق لومة لائم. Mon bien-aimé, mon ami intime, mon bien-aimé intime, mon Khalil Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé de dire la vérité même si elle est amère. Et que je ne crains personne dans le haqq. Donc je dois te le dire, les musulmans, non, ils sont responsables, plus ils sont plus responsables de beaucoup de malheurs que leurs ennemis veulent faire croire qu'ils sont responsables de malheurs. Non, mais ils font des choses mauvaises. Non, les musulmans, une minorité, une petite minorité qui n'arrive pas à l'heure, fait supporter à la grande majorité de gens de paix, de vivre ensemble, de respect. Beaucoup tardent, malheureusement. Donc, ses parents à elle voient déjà qu'elle s'est reconvertie, elle, à l'islam, et c'est lourd, attention, mets-toi humainement à leur place. Imagine ta fille demain, ou ta soeur, ou ta maman deviennent bouddhistes. Toi, musulman, ta fille devient bouddhiste. Devient sataniste. Si ta fille se marie juste avec un reconverti, tu es prêt à la tuer et de te tuer toi-même, tellement que tu es raciste. Et ta fille se marie juste avec un reconverti, tu es algérien, ou saoudien, ou yéménite. Au Marocain, si tu veux, tu te maries. Ta fille se marie avec un converti. Tu te tires une balle dans le crâne et tu te réveilles après la mort et tu tues ta fille. Et tu ne te mets pas à la place. Tu ne connais pas le contexte des problématiques. Tu ne te mets pas à la place des gens. Donc elle, regarde, avec maladresse, avec innocence, avec naïveté, elle a inversé les choses. Elle a sûrement voulu. Elle a voulu dire pour plaire à Allah, pour Allah, d'accord? Et pour mes parents. Puis celle d'obtenir la satisfaction d'Allah, et puis celle de mes parents. Elle aurait dit, elle aurait dû dire ça, mais elle a inversé ce problème.
Tellement psychologiquement ça la travaille. Et ce sont quand même ses parents. Pourtant, il me dit de venir noir. C'est-à-dire, c'est l'image qui fait le plus peur, le stéréotype de la femme musulmane qui traumatise à mort le père ou la mère non musulmane, ou non musulmane. Alors qu'il y a une infinité d'habits. Il y a une robe qu'on dit, qu'on pense, qu'on prétend. Faites ces véridiques, vous ne pouvez pas, dans un musée turc, la robe de Fatima. Va voir la robe de Fatima. À quoi elle ressemble? Fatima bint Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas habillé légèrement. Quatre conditions. Si le hijab, si la manière de s'habiller de la femme les respecte, c'est énorme aussi, elle a une manière de s'habiller. Je vous vois comment vous êtes beaux, mashallah, les maris de ces femmes-là, matralistes ou matralistes en général. Parfois, tu le vois avec mashallah, son pauvre ami, tout ça, et parfois, tu le vois le voir, il oublie le pauvre, et ça se met avec un jean malheureux. Et ça, c'est pudique ou pas? C'est légiféré ou pas? Je les vois à la mode, moi, enfin. Voilà, et souvent, même avec le khamis, je les vois à la mode, vraiment, avec une belle mode, mashallah. La mode pure et dure. Avec leurs habits, avec leurs Nike, avec leur manière de marcher, mashallah, et tout ça, tu le repères de loin. Là, je vois, mais. Et par rapport à la femme, non, la femme, tout est noir. Noirceur totale. De là à là. Même le blanc de ses yeux, il faut qu'elle le rende noir. C'est-à-dire, même s'il pouvait, voilà, s'il pouvait. Même le blanc des yeux, elle le rend noir. Donc, comme ça. On voit rien. Et même le blanc, on le cache, plus rien. Noir au noir, sur noir, dans le noir. Tout est réglé, pas de problème. Et la fille au paradis. Et là, on est dans, malheureusement, la forme. Toujours. Est-ce que tu veux que je te montre? Est-ce que tu veux que je te raconte n'importe quoi? Souvent, ce type de sœur, que je connais personnellement, et je suis en échange avec ce type de sœur aussi, je vois, je les entends parler, j'entends ce qu'elles écrivent, tout ça. Souvent, la religion d'Allah égale à ce jilbab. Tu as entendu jilbab. Jilbab, c'est un mot, et non, machin. La résumé, elle a toute la religion d'Allah, et résumé à ça. C'est-à-dire, souvent, ça ne prie pas. Souvent. Sans vouloir généraliser, attention. Souvent, ça passe son temps à médire. C'est d'une violence pure et dure. Méchanceté, une bassesse. Tout le monde est innovateur, tout le monde est. Égaré, tout le monde est égareur, ça part en enfer tous, sauf nous, à part nous. Aucun khushu, jamais peut-être les yeux ont pleuré, jamais de méditation sur la vraie raison de la création. Alors, et c'est vrai que par rapport à cela, ils sont d'un brio. Mashallah, tu les vois. D'accord? Donc, tout ce blabla, plus de 18 minutes, pour dire une chose simple, il n'y a pas d'avis. Ni j'ai verrouillé. Mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Tu prends mon camis à moi là. Tu fais un pantalon, tu fais une que soit, tu fais un hijab. Si c'est pudique, si c'est pas transparent, si c'est pas moulant, si c'est pas un vêtement de choura, c'est-à-dire, Lady Kaka le met, donc elle met une sorte de voile, couleur Lady Kaka avec des motifs de Lady Kaka, donc choura. Et tu commences toi à le mettre aussi, pour ressembler à Lady Gaga, par exemple. On sait que c'est Lady Gaga, moi je l'appelle Kaka. D'accord? À 4 ou 4 conditions, pudique, pudeur total. Et c'est le plus important en plus. Dhalika azka lahunna. Regarde, quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran énumère, il dit aux croyants de baisser le regard, dit aux croyants de baisser le regard. Quand il a décrit comment ils doivent s'habiller, tout ça, il dit, Zalika azka lahunna. Subhanallah, Zalika azka lahunna. Là, azka, extraordinaire. Ça, comment je peux le traduire, azka? C'est cette manière d'être, cette pudeur-là, ce niveau de pudeur, azka lahunna. Allez traduire, allez apprendre l'arabe, qu'est-ce que vous attendez? Je vais pas tout faire à votre place. D'accord, ma soeur, habille-toi s'il te plaît comme tu veux à partir du moment où tu es sûr et certain, alhamdoulilah, tu es honnête avec toi-même.
On est avec ton entourage, tu peux demander aussi à ton mari, voilà. À partir du moment où c'est pudique, non moulant, non transparent, non. Ah, respect, la pudeur, vraiment la pudeur totale de la femme et de l'homme, l'homme aussi. Ah, on t'a dit, tu as entendu dire que l'aura de l'homme, c'est de nombril jusqu'à genoux, bah, sors de la rue avec un short. Sors de la rue, marche dans la rue avec un short alors. Toi aussi, tu dois être pudique. Pudique. Mais même l'homme aussi n'a pas de. Il n'y a pas d'habit pour l'homme. Il n'y a pas d'IGFR. Mais pas ce type de mot, s'il te plaît, sur ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'habillait d'une manière. Il n'y a personne aujourd'hui qui s'habille comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le même type d'habit là. Ça n'existe pas. Ah oui, mais ceux qui m'ont exporté la chose en Arabie Saoudite, ils m'ont dit, voilà, tu mets. Ah non! Ah non, 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 non. La manière des Saoudiens de s'habiller n'a rien à voir avec la manière de s'habiller de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est libre, c'est ouvert, ça. Ouais, ça. Tranquille. Tranquille de chez tranquille. Chacun s'habille comme il veut à partir du moment où pudeur il y a. Homme-femme, habillez-vous comme vous voulez. Mais la pudeur. Pour l'instant. Fais-moi ça. C'est large. L'histoire est large, très large. Il y a une infinité d'habits, mais ce que tu veux, juste sois pudique. Très, très pudique. Et cette connexion de Azka Lahum. Et cette recherche de Azka Lahum. Ça marche. Ça marche ou pas? Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته.